face à Nevers dans des conditions qui étaient donc très compliquées, dû au terrain et au temps. Mais on s'en sort très bien puisqu'on on avait vraiment besoin de gagner pour rejoindre le haut du classement. Nevers qui était quand même venu avec beaucoup d'intention ici avec une équipe au complet, donc très content de la victoire et des 4 points. On s'est resserré au début du bloc et on s'était dit qu'on allait prendre match par match pour essayer de raccrocher au top 6 et d'intégrer donc ce top 6 et donc d'y rester. Et on s'en rapproche avec donc, la victoire pour Saint-Nevers et on va continuer à prendre match par match et essayer de se rapprocher du haut du classement encore. Vannes est une équipe assez complète, assez dynamique et qui va vite. Leur terrain donc leur va très bien, c'est un synthétique. Ils ont également une longueur de jeu au pied, ce qui leur permet d'occuper. Et ils ont aussi un gros pas qui s'appuie beaucoup sur les ballons portés, donc on va devoir bien s'y employer pour bien les défendre. Que ça va être un match très accroché, pardon. Il y aura guichet fermé là-bas. Il y aura un public qui va les pousser. Et ça va être un gros match, un peu avec des airs de phase finale, avec guichet fermé. Mais non, on l'a bien préparé. C'est surtout centré sur nous, sur notre défense, nos positions et essayer de faire un match vraiment complet de la première à la 80e.